Éric Saint-Laurent m'a appelé dans l'idée de faire un espèce de spécial télé sur le skateboard intérieur. Puis à mesure que le tournage avançait, ben on s'est rendu compte qu'à Québec, il y avait une espèce de problème. Et c'est là que l'idée de faire un documentaire est venue. On est conscient que les images que vous allez voir ont pas toujours été tournées avec la permission, puis qu'il y a des scènes qui pourraient choquer certains agents de sécurité. Mais c'est ça qu'on voulait. On voulait que ça fasse réagir les bonnes personnes, puis comme ça, on pourrait peut-être réussir à régler le problème de Québec. Nous, on filme pas vraiment dedans parce qu'en parenthèse, c'est illégal. On filme en dedans, en gros, parce que c'est l'hiver ici. On peut pas filmer dehors. De toute façon, nous, on est des street skaters. On fait du skate de rue. C'est-à-dire qu'on prend des modules qui sont pas faits pour faire le skate, aucunement, qui sont pas adaptés pour ça. Puis nous, on fait du skate dessus. C'est complètement différent comme sensation qu'un skatepark. Un skatepark, tout est déjà fait, tout est parfait. Américain et tout ça, c'est rare qu'on voit ça de l'intérieur. Je pense que c'est pas mal à Québec qu'on voit ça le plus souvent là. Ouais. La logique, c'était de trouver des places à l'intérieur. Je voyais un beau site de marche, un beau ledge. Crime, pourquoi je ne skaterais pas? Ça sort de l'ordinaire comme je disais tantôt là, puis c'est quand même vice là, voir le monde en dedans, puis tu sais, quand tu vois ça, tu te dis qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire ça, fait que c'est le trick, faut qu'il se fasse quand même rapide là. Nous on est tellement accro du skate qu'il faut faire du skate, fait qu'on trouve des places, on essaie de déranger le moins possible, puis faire nos petites affaires dans nos coins, mais ce qui est le fun avec le skateboard intérieur, c'est que souvent l'allée est lisse, tout est beau. Quand tu lances, ça résonne, je sais pas, puis en plus, c'est sûr que c'est excitant aussi, là. T'es pas trop supposé être là, faut que tu fasses ça vite, t'es stressé surtout. Je pense sûrement qu'on est des petits trous de cul, là, dans le fond. Appelle la police ou je te crisse une volée, hein, des gars, pas vu. Décris, c'est tout. J'ai pas d'affaire, Martinique. Puis, tu sais, s'ils pensent qu'on est des petits trous de cul, on fait ça pour le fun, nous, on fait vraiment pas ça pour le fun. Nous. On fait ça pour faire des vidéos de planches à roulettes, nous autres, nous. Soir, on est de suite pour aller filmer des untrue, là. On va aller filmer des trucs en dedans, puis dans le fond, on prend ça relax. on va aller virailler, bon, on va aller virailler. Ça, c'est quoi le nouveau mot d'asseoir, là? C'est l'intro. L'intro, c'est ça.
Décris. C'est de la pression, c'est en plein ça. C'est carrément, hein, sa pression, c'est le même, il fallait que je te l'explique. C'est le bois, là. Ouais, pour trouver les spots, nous, ce qu'on fait d'habitude, ben, on cherche pas vraiment la plupart du temps. C'est un skater dans le team qui s'est promené à une place, puis qui a vu le spot, puis qui ça y est tombé devant. Il est tombé devant, puis il y a skaté dessus, puis il a décidé d'amener les caméramans et les cinéastes. Puis la plupart du temps, nous autres, quand on va faire des spots intérieurs, c'est tout dans le même coin, genre, tout dans la même place. Fait que, tu sais, c'est genre des bâtisses, là, on rentre en bâtisse, puis il y en a plein. Ça démarche plus tout, là. Mes plus gros tricks, ça a été à 13 ans, là. On avait été à l'université, là. C'était quand même vraiment fat, là. J'avais fait un crooks puis un frontside board, quand même. J'étais quand même content, là. J'étais quand même jeune aussi, là. Fait qu'il faut l'amener des bons tricks puis faire ça vite. C'est notre camp pour pogner d'étiquette. La plupart du temps, les spots sont tout le temps presque parfaits. Dans un film, je trouve ça plus hot quand les spots sont intérieurs. Ça fait plus. C'est pas comme si on s'est pointé n'importe où, on s'est forcé pour pogner le spot. Là. Sortez, puis ça presse, parce que moi je fais venir la police, puis le conseiller. Vous êtes dans un bloc ici privé, puis s'il y a des problèmes, là, responsable à Baptiste. Ah oh ouais, mais. Toi, va-t'en avec ton caméra. C'est ça, mon homme! C'est quoi qui se passe quand le monde, il vous. Ils vous interdisent de skater, c'est quoi, ils vous crient sur la porte? Ils nous kick-out dans le fond, là, ils nous disent de sacrer notre casse, sinon ils nous font des menaces qu'ils vont appeler la police, mais disons, genre, on reste là 2-3 shots, là, ils pètent leur coche, là, la plupart du temps, puis après ça, ils appellent la police, puis nous autres, on se pousse, là. On a tout le temps le risque de se faire reprendre par les gardiens de sécurité, mais en réalité, c'est notre première motivation, parce que ça nous motive encore plus à faire nos tricks. Puis c'est ça, les spots sont beaux en dedans. Quand on est allé skater, skatepark, on fait comme l'été. On va en dedans, puis on défie les gardiens. Ça prend du temps, là. Ça arrive souvent que des sessions ont réussi à rien ramasser parce qu'on s'est fait kicker trop tôt. Genre. Quand on se fait avertir ou des trucs de même, là, ça me donne pas la chienne, je trouve ça juste drôle. Fait que j'ai pas vraiment la chienne dans ça là, je trouve ça juste le fun. Ça, descendez la table! Non, vous savez que vous avez pas le droit d'être ici! Vous le savez, ouais, mais ni on s'en va. Ni planche. L'été, ça m'a fait faire, mais ça m'a fait faire. Vous sortez. On s'en va. On s'en va. On s'en va.
On n'est pas les seuls skateurs qui skatent au monde à Québec. Je m'en fous. Ouais, mais c'est correct qu'on s'en va. Moi, je suis responsable. Mais on s'en va. Arrête de dessiner et crie son mais c'est ça. Mais t'en viens, viens pas, tu ne verras pas. Parce qu'à toutes les fois, on dirait que c'est du monde genre pas trop brillant, genre qui viennent nous. Tu sais, ils nous traitent de cave, mais dans le fond, ils sont pas mieux que nous. Là. C'est pas le fun, là, quand ils te pognent, là, eux autres, là. Ils ont soit le choix d'appeler la police ou de. Pour même. Ils peuvent te prendre comme prisonnier. À la fois que j'ai eu la puce de la chienne en skate, moi, c'était au cégep Sainte-Foy. On était avec moi, Olivier Godin, puis Alex Rousseau. On s'est fait courir après, là, c'est parce que le cégep il était fermé puis il y avait juste une porte pour sortir. J'ai vu les policiers arriver tout de suite devant, on s'est retourné puis les policiers étaient là puis ils ont dit qu'ils vous faites là puis dans ce temps-là, tu sais, comme. Tu sais pas trop quoi dire, là, tu sais. Ouais, okay, là, on s'est pogné par les gardes puis ils commencent à nous courir après, sauf qu'on se rappelait plus par où sortir. J'ai réussi à sortir par une porte, genre que j'ai plus ou moins défoncée, là. Puis que Olivier, lui, là, ce qui est arrivé, c'est que. Olivier, lui, il s'était fait pogner son skate, puis il a eu une amende à cause de ça, puis c'était bien drôle parce qu'Olivier, il pleurait, il était mon skate, mon skate, puis il vargeait dans les fenêtres, t'as joué à avoir mon skate, puis il chialait, c'était drôle. On s'en va, là. Sacrement. Est-ce que tu on s'en va, y'a pas de tout. S'en allait. N'importe qui serait ici, là, quand le directeur de l'Asie vient ici, il va dire sacrement, il écoute ma chute. Viens avec une! Suite! Ouais, gars! Pourquoi tu comprends pas dans cette cour? Mais pourquoi tu fais du bruit, puis c'est les clients qui nous disent. Non, ça, et ça dérange en arrière. Ah ouais, la veille! On se rappelle sans demander la vie à personne! Faut que les capitaines bonhommes, je veux que mes bitcoins comme une cloche qui résonne. Je déclenche la plus grosse rébellion du Québec. Fuck ceux qui ont trois contre ça, je représente 41803. Ma réplique est aussi puissante que l'attentat d'Hiroshima. Ma tactique, faire taire toutes les bitches avec des lyrics qui causent beaucoup de critiques. Je m'en crée, ça fait partie du business. J'oublie ça avec un bon joint de cannabis pour pas y penser. Je perds pas de temps avec des conneries pour arrêter de consommer. La vie est courte, je vais en profiter. Fuck ceux qui nous empêchent d'avancer et de progresser. Puis j'essayais une run bien facile, des petits tricks que je fais souvent dans la rue, tu sais, que je peux lander plein de fois. Ce qui est arrivé, c'est que là, j'étais plus capable de faire ma run. J'ai pété une coche, puis j'ai comme fait un 180 de billet, puis j'avais le skate dans les mains, tu sais, j'ai pris mon skate dans les mains, puis je l'ai tiré, le skate. Mais ça a donné qu'il y avait une vitre large de même, puis ça a donné que le skate a décidé de dévié dans la vitre et la vitre s'est effondrée. Elle s'est égrenée et voilà, c'est fini. La vitre a fendu et on a couru. Je m'appelle Alexandre Rousseau, j'ai 16 ans. J'habite à Cap-Rouge. Je suis sponsorisé par Boutique 540. Je skate avec beaucoup de monde de Cap-Rouge, le monde de mon patelin, puis il y a Saint-Loup qui est là pour filmer souvent, puis on essaie de se pogner d'autres filmeurs, mais c'est Saint-Loup qui nous aide en gros, là.
souvent, c'est genre... ils sont comme quasiment violents avec nous autres, là. Ils veulent nous attraper, comme... mais la fois, ouais, au campus Notre-Dame, le gars, il voulait appeler nos parents. Il essayait de nous attraper pour appeler nos parents, genre. C'est tout, mais tu sais, des fois, ils sont carrément violents. Ils nous agrippent par le bras, puis ils essaient de nous brasser, puis tout, là. Puis ils vous laissent pas partir. Non, ouais, non, c'est ça, là. Ils sont là, on va appeler vos parents, mais tu sais, ils l'ont jamais fait, là. On s'en va, soit poliment, si on était polis, si on pas polis avec nous autres, ben. C'est des affronts, là. Fait nous affronter. Cache-le. Oh. Parce que je peux te saisir. Comment ça? C'est interdit de caméra, ça. Ok, désolé. Ben, j'ai une pancarte pour ça. Tu me cries trop fort. Il y en a un dans notre team, là, que lui, Mouak, là, c'est ça, lui, est pas mal poli, là. Il est pas très. Comment dire. Je sais pas. Élevé envers le monde, là. Il envoie pas mal chier tout le monde, là. On est venu, puis on a eu ce qu'on voulait, puis on s'en va. Quand tu gères ça, ton stress en dedans? En dedans, à l'intérieur? Ouais, puis quand tu skates? Comment je gère ça? Ouais. Mais on se trouve des voies de secours là pour se sauver, hein? De secours qui est cool. C'est un local de loisirs. Puis on s'est tous rencontrés là en 89. On pouvait skater là. Il y avait une couple de petits obstacles, là, des petits water pipes, des petits kickers, puis tout. En plein hiver, comme si on était en plein été, dehors sur le flat. On a repris contact avec les gens des loisirs. Puis finalement, on se leur loue une fois de temps en temps. Là, dans le fond, ça nous dépend. Ce grand Mohawk, hein, maman? Mohawk, on commence par où? C'est quoi ta méthode indienne, Mohawk, pour trouver des spots? Ben, faire mon éclaireur, là, tu sais, de me promener dans la ville, puis de regarder dans tous les bâtiments, comment c'est quoi qu'il y a, puis des jeux de nose, il y a les marches, les rails, il y a des curbs, il y a tout, là. T'sais, dans le fond, je fais des intrus sans que le monde m'entende rentrer, puis je fais une observation de la bâtisse au complet.
Et la plupart des spots, ben moi, la plupart des spots que je skate, c'est lui qui les trouve. Puis il met de la joie d'habitude, puis garde moi que c'est le petit... quand il est là, c'est, il met de l'ambiance, puis c'est bien le fun quand il est là. On aime ça, même s'il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Les skateparks, c'est de la merde à Québec, là, mais on n'a pas encore des beaux skateparks. Faudrait qu'à un moment donné, on investisse dans de l'argent, puis que ça prenne le temps qu'il faudra, mais qu'on prenne du cash, puis qu'on fasse un big skatepark. On sait qu'il y a beaucoup d'endroits où les jeunes ont fait des pressions, puis ont finalement eu ce qu'ils voulaient. J'espère que le film, ce documentaire-là, va faire réagir les bonnes personnes. Si la ville est tannée qu'on s'infile partout, ben ça me prendrait de quoi de gros, là, comme à Montréal. Parce que c'est sûr qu'on a des bons skateparks à Québec, sauf qu'ils sont trop petits pour une gang de skateurs enragés. Faut pas se le cacher, on a un problème à Québec, puis faudrait le régler. Mais il en ouvre un peu partout, mais pas à Québec. Nous, à Montréal, je sais qu'il y a pas mal des plus hauts skateparks qu'ici, mais à Québec, on n'a pas encore ouvert un, là, ça presse, il en faut un. Ben, tu sais, je trouve ça vraiment de la merde, man. Yeah. Hein? OK, ils sont tous rendus au spot, fait que nous autres, on a le temps de skate au peps. Ouais, peut-être, man. Ben, hello, man! Arrête de crier! C'est joli, man! Petite cossin. L'avait, man, c'est joli. T'as-tu vu comment que l'aine est dessus, droite, pas lignée? C'est joli, on se marche, c'est impossible.